Le moins bien placé pour ce. Go, encore, c'est parti, attention avec Vincent, Boudin, Bergeret, Cambon, Melchard, c'est la catégorie de toujours. La série 427, on reconnaît Boudin, vous le voyez avec son casque jaune. On bagarre avec Frédéric Bergeret, des cycles que non qui prend la deuxième position maintenant. Vincent, Boudin, Bergeret, Cambon, Melchard, encore un pilote qui ne sort pas ici dans cette série. Vous les voyez avancer tous ensemble ce deuxième virage. Alors Boudin, il est où? Il est là-bas à l'extérieur, en quatrième position à l'intérieur, attention, ça revient très très fort. Frédéric Bergeret qui attaque pour donc conserver sa quatrième position, le 13 a pris la tête aussi pour Nicolas. Une chute malheureuse à l'Amérique, Philippe Estivoy qui lui aussi est en course pour le titre 1997. Mais regardez, une bombe, une fusée, un phénomène que dit Nicolas Bidou qui vient de l'Aquitaine. Nicolas Bidou qui fait du spectacle en plus dans ce quart de finale. Encore dans ce quart de finale, Nicolas Lavillon qui rate ses pénales, attention, peut-être une des premières surprises de la journée. Philippe Petitvol et Nicolas Lavillon qui vont se livrer à duel pour la quatrième place. Qualificatif, ah, c'est un mano extraordinaire avec Nicolas Lavillon et Philippe Petitvol pour la quatrième place de l'endroit, bien évidemment. Alors oui, Philippe Petitvol qui va se à l'intérieur. Philippe Petitvol est livré à 40 mètres. Nicolas Lavillon est à l'extrême droit. Et c'est pas fini, mesdames et messieurs, puisque maintenant on passe au junior expert avec le premier quart de finale avec une chute de qui s'envolent pour la qualification 429 de la série. Il y a Ruiz, Ferraga, Barrère, Dubois, Grondin, Delfort, Cuyenne. Que de bons pilotes dans ce quart de finale. Ruiz est deuxième, Laurent. Oui, José Laris qui roule sur Trek, donc qui vient de Dijon en deuxième position, puisque le premier, c'est évidemment Grondin la ville, de troisième place en 91. Et puis derrière le numéro 89 qui vient des forts formidables, le starter qui a donné le départ de la série 430 et Junior Expert. Monsieur Arnaud Barthélémy, qui appartient au Team GP apparemment. Et Éric Beyeler qui a pris, je crois, il est tout à l'instant. Et il y a, regarde, je le montrais tout à l'heure, il y a Cédric Grand, il y a Erasse Cyril, Beyeler, Martin Lévy, et il y a Pépin Jérôme, quel race de fou. Erasse est quatrième pour l'instant. Oh non, Erasse, je crois pas, si je le vois en FF1, effectivement il est habillé comme... Non, Erasse, il est là, c'est Cédric Grand qui est en quatrième position, les cycles Jean-Claude en quatrième et cinquième position, Erasse qui est malheureux. Justement, on en parle, et là, attention, Dubois vient de sortir de la grille départ, il me traite comme une véritable fusée, Laurent. Une chute malheureuse pour deux pilotes après cette deuxième doublée. C'est Dubois, donc attention, il y a Laurent, il y a Van de Kerkhove, il y a Dussert, il y a Duarmand Genot, il y a Albert. Alors, toujours Dubois, on peut le positionner dans cette race numéro 431. Je vois qui monte libère en deuxième position avec du sergent Serge et puis Laurent Alexis du club de PGV est en troisième position et puis derrière coup d'un coup entre le 3 et attention regardez à l'intérieur dans le dernier virage la gare avec le numéro 88 ou 69 peut-être, non c'est le 69, c'est Albert Julien dans ce lit. Plus puis-je vous demander les applaudissements pour Thierry Malekerkhove. Encore une chute dans cette première ligne droite et attention le champion du monde. Allez Nicolas. Il est champion du monde de la catégorie en cruiser et en 20 pouces. Oh, en plus il prend la tête. Allez Deldi qui attention derrière, le cycle rebours, c'est Hugues et Sylvain l'Arlésien, quatre pilotes se sont d'ores et déjà détachés. Attention au départ. C'est maintenant que ça se joue sur la piste de Petit Couvent. Joachim Mélo en plein centre et Denis Lavigan sont bien sortis. Sébastien Paradis et c'est Franck Paradis, Laurent Bout. Il a été laissé sur le vélo alors qu'il a mis le pied dans le premier virage. Laurent Bout est en tête. Joachim Mélo est dans la roue de Florent Bout. Alors que Denis Lavigan, maintenant avec un deuxième coup de pédale extraordinaire, est revenu prendre la roue de Florent Bout. Carmine Falco est en dernière position. La deuxième place du podium est occupée à se jouer maintenant. Florent Bout est là, Denis Lavigan, Joachim Mélo, Sébastien Paradis. Il reste un nom à connaître pour la qualification dans cette finale des cadets experts. La pression monte sur la piste de Petit Couronne. Alors, le quatrième qui revient. Il porte le numéro 4, c'est Anthony Escudero. Anthony Escudero qui fait un retour d'enfer. Oh là là, ça s'accroche là. Oh, il y a Gorge qui est tombé. C'est la catastrophe quand même. L'exclu vient de tomber et perd sa place en grande finale. Oh, Laurent, ça va être.
chaud. Hein. C'est déjà sur le niveau du départ. Watch Olay, c'est parti. Alors attention, écoutez bien, tous, Dinis, Donatrois, Poupino, Frappe Sauce, Renaud, Stéphane, Eustache, Poisson, mais que dire de voir Renaud, oui, c'est lui, Michel Renaud, Stéphane, il nous vient de Saint-Nazaire, il a pris la tête. Alors attention, tous, où est-il? Tous, il est en 5e, 6e position, enfermé. Attention, tous, faites-lui nous réserver une sur. Oh, on est vite, tous, c'est mal parti, Laurent. Ah oui, alors là, c'est mal parti, mais c'est pas une chute. Watch Olay, attention, c'est parti pour la deuxième demi-finale et peut-être que le champion de France, le titre du challenge de France sera décerné à un de ses pilotes et à un autre de l'équipe. Attention, regardez Boudin, Boudin. Voilà le destin des jeux de l'événement avec Yannick Thibault qui est placé au centre de la grille, qui a pris un des deux extraordinaires et Yannick Thibault va peut-être être champion. Oui, allez, Boudin, Thibault de la vitrole, de vitrole en Provence. Le Jean-Claude représente Arnaud Jacquet. J'ai plein de frissons, c'est ma catégorie qui est sur la piste. Et peut-être la dernière année, il y a du mal. Un titre, je le souhaite vraiment pour lui. C'est la technique. De partie sur la piste, bien sûr, Stéphane Renaud, Mehdi Rémili. C'est Mehdi Rémili devant Stéphane Renaud qui vont sortir du premier virage. Voilà, encore un honneur qui va nous enjeuver le pilote national qui va l'emporter très certainement avec les champions d'Europe, Rémi Lick et j'arrive à y arriver, Mehdi Rémili. Mais bon, c'est jamais terminé tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée. Mehdi qui conserve sa première position à la sortie de ce deuxième virage. Mais juste derrière en embuscade, on voit le numéro 74. Non, le numéro 74. C'est parce qu'il y a Baquet, Baquet, c'est pas le Baquet. C'est pas le Baquet, mais la pression sur Mehdi Rémili. Mais Mehdi Rémili du team Sommeac va résister et devient champion de France catégorie Canet Expert. Le destin en est jeté. Le destin en est jeté maintenant. Alors qui va sortir en tête? Miguel Desi. Mais non, on est bien un championnat de France, le champion du monde en Michael Dédic, la Normandie, et donc on est avec Peugeot, avec Michael Dédic, en Omar des limites, en deuxième position, attention derrière, avec le numéro 90, oui, il est intelligent, il est intelligent, il a su attendre le bon moment pour passer, et il est passé, Michael Dédic, sur sa route pour la deuxième place, et Arnaud Barthélémy,